Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Haïti Sport de chaîne 118 à l'heure du championnat national de première division. Eh bien oui, on est de retour pour votre championnat de prédilection. Bonsoir Rudy. Eh bien, aujourd'hui on est au Cap Haïtien, comme vous le saviez tous. Aujourd'hui c'est un autre derby qui nous attend, FICA et Cerozzi. C'est toujours un plaisir de présenter ce match. On va voir aujourd'hui ce que ça va donner, mais en tout cas ça va être un gros match. Et justement, même si FICA a gagné pas mal de difficultés en ce moment, et alors ASC, pardon, FICA qui... Cinquième journée, Rudy, il y a un match qui est assez intéressant puisque deux équipes qui ont gagné, nous capables de dire un record qui est capable de dire. Et il y a un côté, nous gagnons l'équipe receveuse là qui supposait caler le match là, c'est normal parce qu'il faut qu'ils continuent à progresser dans le classement. Et puis l'équipe visiteuse là tout, les supposés et engranger points pour les continuer à progresser dans le classement en même genre. 23 matchs disputés déjà entre FICA et ASC. 8 victoires pour la Escapoise contre 5 pour FICA. Et puis 10 matchs nuls, mesdames, messieurs. Donc, dernier derby qui a été disputé, c'était 1-0 en faveur ASC. Est-ce que nous prenons ça aujourd'hui encore? Ça, nous pouvons connaître. Il y a 90 minutes pour nous connaître. Est-ce que ça prend le fait? Dernière rencontre de la Escapoise. Et c'est 2-1 que Wanamet et Tekalel, donc AS Capoise qui sont en mauvaise série dans le moment où on a parlé là, avec 3 points seulement. Tandis que l'équipe que le Bral jouer contre lui a gagné 6 points en plus. Le Bral obligé Wana qui mesure, il est capable de réduire comme ça. Dernière rencontre, équipe FICA, il était calé Baltimore, 1-0. Et puis, dans le classement actuel, l'agent d'Abdoulan, l'AS Capoise est 13e avec 3 points. Tandis que FICA est 2e avec 9 points. Mais c'est le classement actuel de la série de clôture. Classement général, là, Libaï. Et AS Capoise premier avec 37 points, FICA deuxième avec 29 points. Ça, c'est pour le classement général. On voit déjà le public qui a répondu présent. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Forcément, c'est difficile de rentrer. D'ailleurs, il faut le préciser, les fans sont là depuis 2h de l'après-midi pour pouvoir avoir le précieux sésame et participer à ce spectacle. Mais comme je le disais tout à l'heure dans les réseaux sociaux, on dit du côté de l'ASC, c'est Yoke Poupé. Donc l'ASC qui affiche beaucoup de confiance. C'est toujours un plaisir de venir au Cap Haïtien. Supporter yo tellement aimé et football, pour rentrer dans ce stade là déjà c'est un pile problème. Pas gain poussé, pas gain rien qui mal, mais sauf que mon yo besoin de rentrer et yo fait masse pour yo rentrer devant barrière au Kawel. Voilà, gain ambiance là, tout ça, gain tout le monde qui fait déplacement. Mais si seulement tout Haïti était carré football, Jean Province sur le football, plus précisément Cap Haïtien, parce que nous sommes vraiment loin dans la question football. Et l'appli par l'appli, soleil par soleil, fanatique au Vini, Timoun, grand monde et femme ou garçon, c'est comme ça, ça y est. Ou Kawel, Parc Saint-Victor, il est plein là pour super derby ça entre l'AS Capoise qui reçoit et le FICA, mesdames, messieurs. Ouais, le fan club qui a déjà préparé ces petites banderoles, on en a déjà parlé plusieurs fois de ce fan club de l'ASC, même d'ailleurs du FICA. Hein. Quand c'est eux qui organisent les matchs, qui accueillent les matchs, c'est toujours une fête. C'est très bien, c'est de très belles images pour le football et pour le championnat national. Alors, présentation rapidement des arbitres. L'arbitre titulaire, c'est Carl-Henri Eli. Arbitre assistant, Nesli Dorceus. Arbitre assistant, Ramsès Jean. Quatrième arbitre, Fabien Chéry. Commissaire, Tolem Dolcé. Et puis, le coordonnateur de toujours, c'est notre Patrick Masséna qui fait un très, très bon travail. Et on salue également le travail de Tessieu. Tessieu, il est là. Et Nabguer pour nous joindre dans le mi-temps. Et... avec toutes ces infos, comme d'habitude. Justement. Ouais, ouais. Et Tessieu qui toujours ont précieuse aide pour le côté, pour chaque transmission. Et Cap fait toute équipe là, Lila, le décor est planté, le public est là. Et on a rappelé tout le monde tout que on a pour parler de nouveaux ballons et championnat national là, oui, avec le logo présent dessus, donc on a hâte de le voir, voir ce que ça donne un petit peu. Mais concernant l'issue du match, on espère voir des buts, mais il faut savoir que lors des deux dernières confrontations, c'était 1-0 et 0-0. Et surtout que ces deux équipes qui en ce championnat de série de clôture présentent de très bonnes défenses. Pas beaucoup de goals encaissés, donc on espère qu'aujourd'hui, au moins les 22 acteurs vont pouvoir se surpasser, et oser des choses, tenter, et puis qu'on puisse voir un maximum de goals. Bon,
nous souhaiter que un jeu n'a pas tué match. Voilà. Parce que la SC et l'époque où jamais connaît trois défaites et l'une des l'autre, je tiens à la s'il perdu la Pronelle. Ouais. Tandis que FICA et. Est-ce que oui, c'est de ASM d'a parlé. Tandis que FICA, ça fait longtemps pas qu'on ait trois victoires, une des l'autre. C'est le cas des Jodiens, ça fait trois victoires, une des l'autre. Donc ça veut dire, dans tout sens, sauf match nul, a empêché un record battre Jodiens là. Et voilà les deux équipes qui s'apprêtent à débuter ce match. Ils sont là. Ils sont tous des Capois, mais sauf qu'ils ne défendent pas les mêmes couleurs. Voilà, la ville est divisée en deux aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Je vous rappelle que c'est l'AS Capoise qui reçoit. Ouais, voilà le ballon. Le ballon, justement, Rudy, avec le logo de la Fédération haïtienne de football. Ouais, c'est pour la... Et oui, c'était l'hymne national. Juste avant le début de ce match, ce derby plus précisément. On souhaite une bonne prestation quand même à Karl-Henri et Eli, l'arbitre principal de ce match. Bien sûr, hein, qui doit être forcément très fier d'arbitrer ce genre de match. Derby Capois. Et bien sûr, on dédie cette retransmission à Rosemont Pierre. Oui, Rosemont Pierre, victime d'un accident. C'était tragique. Ce qui explique d'ailleurs que le drapeau soit en berne. Oui, tout le pays rend hommage à ce grand homme. C'est vrai qu'il va beaucoup manquer au football haïtien. Mm-hmm. De faire un travail colossal dans le football haïtien. Il y a eu un très très bel hommage aussi qui lui a été rendu hier lors du match du Real du Cap. On avait préparé des banners à sa mémoire. Voilà le ballon, on espère qu'il va finir le plus de fois possible au fond des filets pour la beauté du spectacle. Oui, Talua nous a dit de souhaiter qu'un jeu n'a pas tué spectacle, qu'un jeu n'a pas tué match. Parce que à Escapoise, qui connaît en deuxième défaite semaine passée hein, contre Wanamet. Et ça fait longtemps que le pas jamais connaît trois défaites d'affilée. Et puis FICA lui-même, qui était connu en deuxième victoire consécutive contre Baltimore, 1-0. Ça fait longtemps que le pas fait trois victoires d'affilée. Donc nous prenons comment ça prallier aujourd'hui. Ouais, le FICA qui veut réafficher son fair play, on sait que ça fait partie du club. Mais lors du dernier match, lorsqu'ils ont accueilli Baltimore, ils ont offert un cadeau au capitaine du Baltimore de Saint-Marc. Donc c'est bien, c'est des images qu'on ne voit pas souvent et on les encourage à recommencer. Et voilà, le public donne de la voix. Ouais, on vérifie les filets, on vérifie tous les petits détails juste avant le coup d'envoi de ce derby. 24e derby, si vous voulez. Donc là, c'est bien en bleu et rouge, et le FICA dans ses couleurs traditionnelles, vert et jaune.
Ah oui. Superbe ambiance au Parc Saint-Victor en ce moment. Nous pas remarqué trop de stress dans le visage joyeux. Nous souhaitons que le match a commencé et que détend et que vous prenez plaisir sous terrain hein, juste pour porter spectacle que Napton là. Cinquième journée du championnat national de première division sur Haïti Sport 2, chaîne 118. Arbitre qui a poté dernier petit détail juste avant de signaler coup d'envoi match là. Et voilà les joueurs qui se placent. Quelques petits mouvements. Juste pour priorité avec Saint Yosho. Et c'est Fika qui prend le coup d'envoi. C'est parti au Parc Saint-Victor. C'est Fika qui donne le coup d'envoi avec Ronaldo Médard. Ça se joue en défense centrale. Allez, on est à gauche maintenant. Oui, Santé, c'est ça. Joao qui paraît assez détendu. Passe en profondeur, danger pour la SC. Finalement, ballon s'acquitté, Guétan sorti. Selon le juge de ligne, c'est près de une touche pour la SC rapidement effectuée. Allez, longue passe au milieu de terrain, tête manquée, ballon récupéré par... Oh là là, danger pour Fika, intervention de Ronaldo. Et la touche pour la SC. Il y a une possibilité pour le tal plus loin avec ballon ça tout à l'heure. Et malheureusement, c'est pas ça le fait. Mackenley lui pour la touche. On lui remet le cuir. Centre du pied gauche, intervention n'importe comment de la défense et nouvelle touche pour la SC. Allez, on insiste sur le côté droit. Bon contrôle. Le centre, intervention de la défense du Fika et dégagement. Oh là là, Stanley Bossius, quel contrôle. La passe de Stanley, le bon tacle. Oh oui, ça commence plutôt fort avec cette passe de la défense. Intervention côté ASC. Et la passe en retrait, sous les applaudissements du public bien sûr. Ballon pour Villegrain. Touche concédée par Patrick Edmond. Allez, longue rentrée de touche, intervention de la défense. Deuxième ballon pour l'AS Capoise. Pas pour longtemps, contre-attaque. Oh là là, la mauvaise passe, ballon récupéré par l'ASC. Ah, c'était osé cette passe. Kersley Joseph. Longue passe pour Villegrain. Pas de faute, bien vu Monsieur Eli. Dégagement de Ronaldo Médard. Deuxième ballon pour Villegrain qui perd le ballon. Passe en profondeur, intervention de Kerslin.
Ça commence vraiment fort au Parc Saint-Victor avec cette déviation de la tête. Superbe remise. Superbe remise signée Ronaldo Médard. Il est très en vue en ce début de match. Et on repart à gauche. Il y a du champ devant lui. Une autoroute si vous voulez. Déviation. Et l'intervention. Très bonne intervention de Mark Hinley. Et du coup, c'est Yves-Marie Clervin qui va relancer. Allez, il opte pour une longue passe. Oui, c'était précise. Petite passe en retrait. Ballon piqué. Intervention de Ronaldo Médard devant Villegrain. C'était une passe de Johnson. Allez, Fika à l'attaque. Oh, la passe en profondeur, le bon contrôle et finalement le bon retour de la défense. La touche pour Fika. Coup pour coup, pour l'instant, il n'y a pas eu de round d'observation. Les deux équipes qui vont directement au charbon. Allez, avec ce raid solitaire, intervention de la défense. Oh là là, Stanley Moses, la frappe de Stanley. Elle n'était pas cadrée, pourtant c'était bien joué. Très bien joué de sa part. Ce sera un 6 mètres pour l'ASC. Allez, avec cette longue passe pour Villegrain. Intervention de la défense côté Fika. Deuxième ballon pour Noël. Mais non, il était bien trop court. Et la faute de Ronaldo Médard au dépens de Villegrain qui lui demande ce qui se passe. À quoi tu joues? Et finalement, c'est un ballon pour Fika avec Ronaldo Médard. Passe de Ronaldo Médard, que c'est bien joué. Bon contrôle également. Oui. On insiste sur le côté droit. Passe en profondeur et bonne couverture. Superbe couverture signée Jimmy Alexis. Jimmy Bend Alexis. La mauvaise passe dans la défense capoise, dans la défense de l'ASC plus précisément. Deuxième ballon pour... Oh là là, bien joué Jimmy. Ne serait-ce cette intervention, ça aurait fait un but. Deuxième ballon pour l'ASC avec Villegrain, la passe en retrait et la faute signalée par monsieur Eli. Faute rapidement jouée. On est à gauche. Passe en profondeur, bien joué pour Villegrain. Le beau tacle signé Ronaldo Médard. Quel début de match pour le défenseur central du FICA. Corner pour l'ASC de la gauche vers la droite. Allez, on va voir ce que ça va donner. Corner beauté. Intervention du gardien, deuxième ballon pour l'ASC, très bonne passe. Allez, il peut centrer, il a préféré tirer. Et quelle détente! Signé Freedom de Cosa. Sur cette frappe de Danny Camille, deuxième ballon pour Camille, la passe de Camille, déviation, intervention de la défense avec Ronaldo Médard. Oh là là, quel début de match du défenseur central, contre-attaque, la passe en profondeur, danger, et en jeu. Quelle passe en profondeur,
Hors-jeu selon le juge de ligne. Et là, c'est qui a eu chaud sur cette action. Et le dégagement de Yves-Marie Clervin. Deuxième ballon pour Fika. Intervention de la défense de l'ASC. Mauvais contrôle. Il arrive quand même à contrôler ce ballon devant Noël. Le passe à gauche. Oui. Le bon tacle finalement. Et l'ASC qui récupère le ballon. Allez Noël. Yves Noël qui est très bon balle au pied. Il y a une faute assez sérieuse sur le côté droit. Il faudra revoir cette action. Et voilà, oui. On joue la 9e minute de jeu. Les deux équipes qui sont entrées directement dans leur match. Il n'y a pas eu de round d'observation. Ouais, et c'était une faute de Vertus, latéral gauche de cette équipe du FICA, qui aime monter, mais qui pour le moment n'a pas eu tellement l'occasion. Dégagement de Ronaldo Médard. Il est partout, Ronaldo Médard. Ouais, il était bien placé là, vraiment. Il a bien apprécié la trajectoire de la balle. Concède un corner qui va être tiré par Rodelin et son pied gauche. Ce sera un corner de la droite vers la gauche cette fois. À trajectoire rentrante. Oui, avec un pied gauche. Corner beauté. Un goal! Goal, 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 goal pour les Escapoises! Goal pour les Escapoises! Oui, sur ce corner! Almonor Bernardin! De la tête! 6ème minute de jeu! Et le but! Ah, super Almonor, il était bien placé là, vraiment! Un corner millimétré! Et le stade est au feu! Nous allons revoir ce but. Corner beauté et la tête matchée. Ouais, ça Almonor, fait 1-0. Ouais. Almonor qui est passé complètement devant Vertus. Oh là là. C'est pour ça qu'on aime le football. Les supporters sont déjà en transe. Allez, avec cette passe de Ronaldo. Deuxième ballon. Non, le ballon n'a pas eu le temps de franchir la ligne. Et ça, c'est Noël. Oh, Noël, non, 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 c'était pas un endroit pour dribbler Noël. Danger pour la Escapoise. Ce contrôle était un petit peu trop long. Attention quand même, il faut garder la tête froide. On sait qu'après un but, il y a toujours une période de flottement. Mais il ne faudrait pas que ça vienne du côté du FICA parce qu'il risquerait de se faire rejoindre vraiment rapidement, de l'ASC plutôt. Oui, que c'est bien joué. Allez, danger pour Fika, la frappe. Oh, et goal. Goal, 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 goal. 2-0. 2-0 pour la SC. Deux buts en deux minutes. Non mais quelle frappe là de Franz Moïse qui du pied gauche va le loger vraiment dans un endroit très difficile d'accès pour le gardien du FICA. On va le revoir cette action, regardez le contrôle du pied gauche et là cette frappe un petit peu de l'extérieur du pied qui va venir tourner et vraiment frôler la main du gardien. Mais c'est superbement placé de la part de l'attaquant de l'ASC, 2-0. Et là les deux attaquants ont parlé, ils ont fait parler la poudre, Almonor et Franz Moïse. Ballon pour Fika. Petite déviation pour Camille qui perd le ballon.
Le centre, Stanley Bossus, tenant Blockland. Finalement, il n'y a pas joué dans rien. C'est à refaire pour la Escapoise. Alors pour Fika plus précisément. Allez, Noël qui peut jouer à droite, c'est ce qu'il fait. Et pour l'instant, Fika qui a couru des ballons. Fika qui plus a joué contre-attaque. Oh là là, quelle déviation. La Escapoise qui est bien partie pour continuer et son petit bonhomme de chemin. Il faut surtout dire que la Escapoise avait besoin d'ouvrir le score pour se rassurer, puisque cette équipe reste sur une série de deux défaites. C'était hors de question de commencer ce match avec la tête baissée. Et ça fait 2-0 pour la Escapoise en ce moment. Il était besoin de le joindre dans un bon moment. Parce que Ligue est seulement 3 points dans la série. Et fermeture ça. L'ASC qui joue au football, l'ASC qui sait ce qu'il fait, l'ASC qui est très bien organisé en ce début de match. Le ballon est rapidement en jeu. Longue passe. Intervention de Ronaldo Médard. Deuxième ballon pour le Fika. Pas pour longtemps. Puisque Camille Higuel Cunha qui quittait la droite pour le bonheur du public. Parce que pour l'instant, il faut tourner le ballon. Pour l'instant, ils organisent le jeu. Il y a beaucoup de mouvements. Allez, Kerslin. Ils sont très à l'aise, balle au pied. Longue passe de Camille dans la défense. Oh, Ronaldo Médard était là. Wouhou ! Quelle passe. Et ça fait un énième corner pour le troisième, si l'on veut, pour l'ASC. Et de la gauche vers la droite cette fois. Et là, nous songeons que c'est son corner qui a été ouvert ce score-là. Ouais, là, ça va être Louis. Encore un corner à trajectoire rentrante. Louis, son pied droit. On sait qu'il est doué pour les passes longues. Il est pas maladroit sur les corners. Voilà, ici, hein, toujours présent dans le camp du Fika. Allez, Ronaldo Médard. Il n'y a pas beaucoup d'options pour lui. Longue passe pour Stanley Bossius qui réussit quand même à dévier ce ballon. Non, il y a eu faute là. Ça continue. Deuxième ballon pour Fika. Passe pour Stanley Bossius qui n'a pas dérapé à temps. Ouais, bien suivi par Alexis là, qui l'a vraiment couvert et qui protège le ballon. On se calme, messieurs. Il faut garder tout son sang-froid en défense, un côté ASC, parce que ce genre de petits détails-là, ces petits énervements. Voilà, et justement, le capitaine Camille qui dit calme-toi, réfléchis. On mène 2-0. Pas besoin de s'énerver. Tout est cool. Allez, Camille, pour la longue passe. Le capitaine de cette équipe de l'ASC. Mauvaise passe cette fois. Il voulait alerter Louis. Latéral droit de cette équipe. Oui, capitaine très influent sur cette équipe, très écouté également. Sage. Il y a vraiment le profil idéal pour être capitaine. Attention à la pression là de Moïse. Pour l'instant, Ronaldo Médard qui fait le travail.
arbitre qui sifflait en hors-jeu. D'après le championnat, il y a un nouveau ballon. Il y a un logo fédération sous lui. Logo championnat, pardon. Allez, la touche côté Fika à droite rapidement. C'était Edmond. Faute pour Fika. Et c'est pas un coup franc assez bien placé pour Yo. Excentré, oui, mais Yo a toujours mis le boîte là. Ouais, c'est Edmond qui va le tirer. Allez, on va voir ce que va donner ce coup franc qui prend le bon trajectoire sortante. Allez, coup franc beauté. Premier poteau et le dégagement du défenseur. Oui, ballon qui sortit. Touche rapidement effectuée. Et ballon récupéré par la SC. Allez, Villegrain. Oh, la bonne déviation de Villegrain. Kersley maintenant. Passe de Kersley à droite. Que c'est bien joué. Oh là là là. Lipawel calé. Et finalement, il perd du ballon puisqu'il traînait trop Pavel. Mais quand même, touche pour la SC. Ouais, bien joué la Virtus qui s'est bien rattrapée de son erreur tout à l'heure. On a pu admirer la belle déviation là, justement, d'Almonor, le premier buteur de cette rencontre. Allez, Louis. La direction de Noël qui lui remet le ballon. Contrôle de lui qui centre instantanément. Et deuxième ballon pour Fika. Stanley Bossius qui était aux luttes avec Stenio. Et finalement, faute pour Stanley Bossius, capitaine de cette équipe. Koufran en Womédian pour Fika. Oui, que c'est bien joué. Ouais, assez régulier. Oui, c'est régulier. Bien joué, Louis. Il s'est compliqué l'existence. Ronaldo Médard qui peut ouvrir le ballon à droite. C'est ce qu'il fait. Bonne déviation dans le dos de la défense. Deuxième ballon pour la Escapoise. Il y a une grosse présence sur le côté droit. Hein. Grosse présence d'Edmond, le numéro 5, latéral droit, qui monte beaucoup dans un rôle de latéral offensif. Et passe à gauche pour Virtus. Ouais, le tacle par derrière, c'est dangereux. C'est de l'anti-jeu, il faut faire attention à ça. Ouais, Louis est un petit peu trop fort là. C'est Joseph qui va le tirer. Danger pour l'ASC qui font TBC depuis deuxième goal Lyon. Et le défenseur central est monté là, Eugène et Bailé. Il était deux mounes seulement derrière. Hein. Allez, on couvre pour le bon trajectoire en 30 puisque son droitier peut le shooter. La preuve, l'on lancé 2-0 pour l'ASC. Deux goals dans deux minutes. Allez, on attend le signal de l'arbitre. Et le signal est donné. Coup franc beauté. Tête là qui était trop haut, il passait tête goal. 22e minute de jeu. Ouais, une tête avec un marquage du côté de l'ASC qui laissait à désirer. Ils avaient choisi un marquage individuel. Et finalement, c'est étonnant de voir avec quelle facilité Eugène a touché le ballon. Et c'est l'ASC qui repart à l'offensive. On est à droite avec Stenio. Longue passe de Stenio. Couverture d'Eugène. Cette passe pour Ronaldo Médard.
Tout près de lui, il y a Edmond. Oui, bien joué à l'intérieur. Et ça retourne en défense centrale avec Eugène qui peut jouer vers Vertus. C'est ce qu'il fait à gauche. Allez, Vertus. Il est toujours dans sa moitié de terrain. Et finalement, il y a fait rentrer la moitié de terrain à essayer là. Il passe dans l'axe. Stanley Bossius qui fait une déviation à qui mieux mieux. Deuxième ballon pour Edmond. Il faudra centrer maintenant. C'est ce qu'il fait. Intervention de Louis. Deuxième ballon pour Fika. Il peut tirer. Mais non. Il a préféré jouer légèrement en retrait. Et là, c'est Eugène qui a le ballon. Fika qui a évolué assez haut en un moment. Allez, Vertus. Mais attention, attention à n'importe quelle perte de ballon. Capable de gagner une action dangereuse. Voire en troisième goal. Mauvaise passe. Ballon récupéré par Kerslin. Et l'arbitre qui siffle la faute. C'était un tacle par derrière. Tacle. Alors, faute un peu contestée, mais faute quand même, puisque c'est l'arbitre qui dirige cette rencontre. Ouais, effectivement, mais là, il ne faut pas se rater du côté du FICA, parce que il y a les joueurs qu'il faut pour la contre-attaque. Il y a Noël qui se tient près là, près de l'arc de cercle du point de réparation. Il y a également Almonor qui restera devant. Il est veillé comme du lait sur le feu par deux joueurs du FICA. Donc là, c'est l'occasion de mettre le ballon dans la surface de réparation. Revenir à 2-1 avant la pause. Allez, coup franc, beauté. La tête cette fois qui passait à côté. Eugène. C'était pas cadré. Encore Eugène, défenseur central gauche du FICA. Ouais, il y a un mouvement de la tête montant, hein, forcément, donc le ballon décolle. Allez, Louis qui a le ballon sur le côté droit. La passe dans l'axe avec Stenio. Bon dribble. Il joue pour Camille. Passe de Camille. Contrôle manqué. Et ce sera une touche pour Fika avec Edmond. Allez, Jean. Jean pour Edmond. Edmond pour Ronaldo. Ronaldo Médard pour Eugène. Eugène, oh là là, quelle prise de risque. Et Louis qui jaillit pour récupérer ce ballon pour la SC. Le ballon est toujours en discussion. L'arbitre qui fait signe de continuer. Bonne couverture, signé Stenio. Pour l'ASC. Touche cette fois pour Fika. Match qui font perdre une intensité. Ouais, bien que le Fika commence à toucher beaucoup plus le ballon que l'ASC. Mais l'ASC là qui est clairement positionné pour la contre-attaque. À 2-0, c'est sage de choisir cette stratégie. Voilà. Bon jaillissement de Noël. Très bon manieur de balle. Passe en retrait. Camille est disponible. Oh oui. Intervention de Ronaldo. Oh là là, qu'il joue bien en ce moment, Ronaldo Médard. Passe. Oh là 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 là. T'es gagné anti mésentente. Sous passe ça pour Rodelin. Et qui t'aimait là dedans, il y a balle dehors. Et finalement, avantage pour l'AS et pour Fika, pardon. Allez, Villegrain qui se bat sur chaque ballon. Kerslin finalement qui perd du ballon. Deuxième ballon avec Eugène qui mettait le pour Vertus à gauche. Il a poté. Il a du champ devant lui. Et il continue son chemin. La passe. Mauvais contrôle. Côté Fika. Et c'est Camille qui font longue passe. Est-ce que c'est.
Et oui, c'est Rodelin qui est en position ça. Et pas Rodelin, pardon, Villegrain. En mésentente entre Moïse et Almonor. Alléluia. Très très bon latéral, très très bon latéral droit. C'est toujours un plaisir de le voir jouer. Ouais, chaque fois qu'on vient le voir, on est impressionné. Hein. La justesse de ses passes longues, c'est son remplacement, souvent très propre. Avec lui. Souvent très propre dans ses interventions. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il est fan de Dani Alves, Louis. Oh, c'est bien possible. Je suis sûr qu'il est fan de Dani Alves. Allez, Louis qui a le ballon. Bon contrôle. Oh, oh là là, quelle passe pour Noël. Belle d'or. Et finalement, la faute. Et non, mais que c'est bien joué côté ASC, puisque Fika, à un moment, après confiance là, a essayé de mettre pied sous ballon un peu. Ah. Et ça ne fait qu'aucun contrôle situation. Beldor, le numéro 11, qui est impressionnant dans tous les ballons qu'il touche. On l'a vu là tout à l'heure, cette passe. Allez, Kerslin pour lui. Et le ballon qui a eu le temps de franchir la ligne. Ce sera une touche pour Fika. Et Fika qui doit se relever. Pour l'instant, Fika qui est toujours à terre. Deuxième touche pour Fika. Après, bataille ça avec Almonor. Ce qui est inquiétant côté Fika, c'est qu'on ne trouve pas vraiment Bossius devant. Il est noyé dans la défense de l'ASC. Et les appels également de Doubi Chéri, le numéro 22, laissent à désirer. Donc il n'y a pas tellement de solutions dans le dernier tiers du terrain. Allez, pour l'instant, c'est Fika KPC allié avec Ronaldo Médard. Les passes de Ronaldo. Ah oui, bon contrôle, signé Joseph. Joseph Rogène. Vertus. Joseph. Jean maintenant. Ronaldo. Longue passe de Ronaldo. Intervention de Rodelin. On joue la demi-heure de jeu. Qui ça habite en sifflet? Est-ce que c'est en faute, en corner, en touche? Apparemment c'est en faute. Et Moïse qui n'ont-ils pas l'empile avec juge de ligne? Match qui momentanément campé. Napton signale à Bitlan pour couvrir ça. Allez. Il n'y a pas rien finalement. Deuxième ballon pour Fika. Avec Edmond qui t'a essayé de jouer. Et finalement, c'est Joseph qui était venu juste là. Allez Jean, longue passe de Jean, oui que c'est bien joué, Jean qui a toujours le ballon, et intervention de la défense de l'ASC, possibilité de contre-attaque avec Almonor, bon contrôle de ce dernier, passe en retrait pour Moïse, et finalement il y a eu une faute vraiment de Edmond aux dépens de Almonor. Ouais, ouais, il avait laissé l'avantage au début mais les 3 secondes n'ont pas été atteintes, donc il a le droit de revenir sur la première faute, à savoir celle sur Almonor. Et c'est Fika qui a attaqué avec cette longue passe sur le côté gauche. Il est centré finalement. Et le centre qui a été contré. Et ça baille au corner pour Fika. De la gauche vers la droite. Il prend une trajectoire en 30 puisque son droit c'est de faire le shooter. Il y a une possibilité pour réduire ce score là juste avant.
rentré dans 40 minutes yo. Et Fika qui doit vraiment lever pied s'il pas vle scénario compliqué dans même. Allez, corner beauté. Oh. Est-ce que tu as un pénal? On demande une main. Tu as une main de Camille. Et moi-même, je prends responsabilité pour me dire oui, tu as une main de Camille. J'ai l'impression, on est loin, mais j'ai l'impression quand même. On va peut-être le revoir. En tout cas, le public derrière réclamait clairement un pénalty. Voilà, on va le revoir. On voit le numéro 5, Camille. Oui, ouais, t'es gamin. Mais... c'est décollé, ouais. Et moi, c'est pas ça seulement. Regardez, c'est Jean-Monsieur Pierre du ballon. Après, ça, c'est parce qu'il n'a pas en paix avec l'esprit. Parce qu'il n'a pas perdu du ballon encore ça. Il était préoccupé par cette main. Toujours 2-0 pour l'ASC qui reçoit ce match d'ailleurs. Allez, Kerslin. Oui, il y a eu faute. Il faut quand même signaler qu'il n'y a toujours pas de carton jaune. Toujours pas de carton. Dans non, de temps match. En temps, il y a des interventions un petit peu rugueuses, mais il n'y a pas de méchanceté dans ce match. Ça, ça et d'ailleurs, on n'est pas habitué, au Parc Saint-Victor, on n'est pas habitué aux mauvais gestes. Ça se joue avec un bon état d'esprit, justement. Et c'est Camille pour le coup franc. On est avec Alexis. Alexis qui est contraint de jouer en retrait. Il change de côté. Mauvaise passe. Mauvaise passe. Mais lui arrive quand même à jouer ce ballon. Allez, lui qui peut jouer sur son défenseur central droit. Il préfère jouer dans l'axe avec Kerslin qui s'est compliqué l'existence. Et finalement, c'est Noël qui a le ballon. La passe en profondeur de Noël. Danger pour... oh là là! Il a tiré trop vite. Il n'a pas attendu Almenar qui se plaint en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Bon, il avait deux choix, Beldor, finalement, parce que tirer, c'est pas forcément une mauvaise décision, sauf qu'il n'a pas cadré. Mais ce qui est impressionnant, Grégory, c'est la capacité de Beldor à fumer la défense comme ça. Vraiment, il a pris 2 mètres sur une très petite distance. Alors, en plus d'être très bon en ce qui a trait à la technique de dribble et à la technique pure, Matt Beldor accélère superbement bien. Allez, le ballon pour et pour Fika à gauche avec Virtus. Bon contrôle. Il passe dans l'axe. Stanley Bossius pour la déviation. Jean. Longue passe qui n'a rien donné. Et c'est Louis qui récupère ce ballon. Almonor. Ils ont voulu alerter Almonor. Et finalement, c'est Eugène qui joue vers Ronaldo Bédard. Très bonne passe, mauvais contrôle. Et c'est Rodelin qui est venu se battre dans l'axe. Mais c'est bien. C'est bien parce que là, il était près de 2 joueurs du FICA. Il n'avait plus grand chose à faire. Et finalement, avec cette faute, bon ben, l'ASC récupère la possession du ballon. On va revoir cette action justement. Elle a bien résisté, mais n'a pas pu résister à la charge du numéro 19, Joseph. Un petit peu de frustration quand même dans cette faute-là. Il a bien vu que ce serait difficile de prendre le ballon à Rodelin. Rodelin qui a une très très bonne capacité de protection de balle. Ouais. Dribble de sécurité. La réaction, ça. Il manquait pas grand-chose. Qui est incapable de mener le troisième goal là. Avec un super passe de Noël. Était supposé centrer pour Almonor. Ou cadré. Cadré, oui. Mais quelle accélération. Voilà, 2-0. À la 11e minute, c'était Almonor Bernardin. Et ensuite, 12e minute, Franz Moïse, le numéro 9. Les deux attaquants de l'ASC ont marqué aujourd'hui. Et ça repart avec l'ASC. Mauvaise passe de Noël cette fois. Ballon récupéré par Virtus qui joue sur Jean. Jean pour Joseph. Jean et Joseph qui jouent l'un près de l'autre.
Deuxième ballon pour Rodelin. Bien joué Rodelin. Il est présent sur son côté, tout comme Edmond est présent sur son côté. Allez Joseph. Joseph. Qui trouve Jean. Jean pour Eugène. Eugène qui peut alerter Vertus, c'est ce qu'il fait. Allez Vertus, face au jeu. Passe dans l'axe, intervention dans la défense. Deuxième ballon pour Jean qui manque son contrôle. Joseph était là. Allez, Joseph qui perd le ballon finalement avec Moïse qui fait une mauvaise passe. Deuxième ballon pour Camille. Oh là là, il y avait pied levé là. Il y avait pied levé. Ouais, ça aurait pu être très dangereux ce qu'il a fait là. Oui. Puisque ça passe à quelques centimètres du visage de Doubi Chéri, le numéro 22. Et c'est Camille qui joue en retrait pour Alexis. Alexis Camille, le capitaine de l'ASC. La passe en retrait en direction de Stenio, qui n'est pas Stenio Vincent. À droite pour Louis. Allez Louis. Et Louis qui joue pour Noël. Noël en retrait pour Alexis. Stenio. Là c'est limité en défense. Hein. Oh là là, le bon dribble. Il obtient quand même la touche, lui. Ouais. C'est bien parce que malgré le fait qu'il a été contré, bah, il garde la possession du ballon. Kerslin qui remettait ballon pour lui. Longue passe de lui. Almonoré dans les parages. Il se bat sur chaque ballon. On le connaît bien. Et le dégagement de Gênes. Ben, on, le connaît bien Greg, et c'est l'un de ses problèmes quand même, parce que tenir 90 minutes à ce rythme, à faire des courses qui sont bon, souvent utiles mais parfois superflues, il n'a plus 20 ans, Almonor Bernardin. C'est le savoir. Donc il doit aussi s'économiser pour pouvoir être présent en deuxième mi-temps, parce que souvent les deuxièmes mi-temps, il a un petit peu plus de difficultés, notamment dans les 15-20 dernières minutes. Ouais. Le centre de lui qui n'a rien donné, mauvais dégagement qui se transforme en centre. Et deuxième ballon pour Fika. Allez Edmond. Edmond qui efface Camille. Longue passe d'Edmond. Intervention de la défense avec Alexis. Alexis qui peut jouer en retrait. Il y a toujours un homme à terre. Oui. Monsieur Eli qui fait signe de mettre le ballon dehors. Il faut aller voir ce qu'a Moïse apparemment, qui reste allongé au sol. Et voilà, c'est au visage. Ça paraît sérieux pour Moïse. Bon, j'ai pas vu, mais ça sent le coup de coude. On va voir ce qui s'est passé. Plus de peur que de mal pour Moïse qui s'est relevé quand même. Après le con... Oui, il faut remettre le ballon. Et voilà. Deuxième ballon pour Camille qui fait une longue passe. Et bon match à droite hein, d'Edmond, vraiment. Tant sur le plan défensif qu'offensif, le numéro 5 du FICA est vraiment très bon aujourd'hui. Allez, Vertus qui a le ballon vers l'avant. Voilà, il va dribbler comme d'habitude. Et un petit peu prévisible là. Et en plus, il perd la position du ballon. Allez, Louis qui effectue la touche. Stenio, Louis. Louis sur le côté droit. C'est une passe pour Villegrain qui conserve la possession du cuir. Rodelin et son pied gauche, très précis, qui a offert une passe décisive aujourd'hui. Alors on revient vers l'axe du terrain avec Villegrain pour le capitaine Camille.
Stenio. Il y a Louis qui est monté, Stenio qui change complètement pour Franz Moïse, mais bonne intervention de Doubi Chéri. Long ballon vers l'avant directement pour Stanley Bossius. Stanley Bossius, il est rapide, il essaye un contrôle en porte-manteau, mais il perd le ballon. Superbe intervention de la défense de l'AFC qui présente aujourd'hui vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité. Voilà, ça circule, comme on peut le voir, avec Rodelin sur le côté gauche. Rodelin, long ballon de Rodelin. Devant, c'était pour Almonor, mais il n'était pas concentré là pour le coup. Et perte de balle de Noël. Et ça part avec Edmond. Edmond passe devant pour Doubi Chéri. On demande quelque chose. Oui, il y a un joueur de l'AIC qui est resté au sol. C'est Camille, apparemment. Voilà pourquoi Almonor était en train de parler. Oui, c'était Camille, c'était bien vu. On joue la 44e minute de jeu. Toujours 2-0 pour l'ASC. But inscrit en tout début de cette première période. Et en ce moment, c'est vraiment difficile pour Fika. Allez, avec cette longue balle dans le camp adverse. Et finalement, ça va barrer ainsi en longue balle d'Edmond. Dégagement avec Kervin. À droite. Pour Stenio, pardon. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Clervin qui a ballon, hein. Ça a été une première mi-temps plutôt tranquille pour lui. N'a pas eu d'arrêt sérieux à faire. Il a été bien protégé par sa défense. Danger pour Fika, danger pour Fika avec cette frappe. Ça t'est 4 copies, vigilance gardien. Ouais, c'était Beldor. Bien sûr. C'était bien joué. Il n'y a que lui pour faire des gestes comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Oh là là, c'est pas dangereux, c'est dangereux. Pas de pénalty selon Monsieur Eli. Et ben c'est que c'était important pour ASC tuer match là finalement. Après, et ouais, ça a la défense là. Et ça, c'est un bail que vous montrez nous. Depuis leur fait cap jouer football, depuis leur fait qu'il y a contact avec le football, il y a deux zones où pas ni dribbler ni prendre risque. Ça m'a fait 3-0. Allez, Noël, passe à droite pour lui. Alors surtout une passe en profondeur. Et finalement, c'est Eugène qui récupère ce ballon. Fin de mi-temps animé. Les 2 minutes sont bel et bien écoulées. Que dit Monsieur Eli? Bah, allez voir comment. Ouais, il y a un joueur à terre, c'est lui. Il a essayé de faire un contrôle en rupture, mais difficile de savoir s'il s'est fait mal tout seul. Espérer qu'il ne va pas gagner parce que c'est un régal de le voir jouer. Ah ouais, il a pris un coup apparemment. Louis Bagan. Lui tout neuf. Vous voulez juste recevoir la main tendue de Karl-Henri Eli, monsieur l'arbitre. Voilà. Voilà, c'est la mi-temps. 2-0 pour la SK Poise.
qui gagne donc cette première période avec des buts de Bernardin mais aussi de Moïse à la 12e minute de jeu. Finalement, c'était donc pas trop difficile pour l'ASC cette première période, Wizy. Ouais, étonnamment, parce qu'on s'attendait à un match plus serré, surtout vu ce que les équipes présentaient là depuis septembre sur le plan défensif. Et là, du coup, deux buts coup sur coup qui sont venus tuer les espoirs du FICA, qui a mis au moins 10 à 13 minutes avant de revenir dans le match. Tout de suite, ils ont une action, mais après, on ne les a pas vus. Et l'ASC, pour l'instant, réalise une excellente opération. Fini ou bien nul, zéro but partout, eh bien, Jodia va arriver au free public au Cap-là en deuxième goal dans le match ASC FICA. Est-ce que tu es quoi ou tu as marqué quand même? Bon, je dis que Jodia s'est marqué avec ce troisième match qui est en FICA, qui est en match en goal. Et nous, dès la motivation, là, nous avons fait belle FICA en plus de goal et Jodia. Mais c'est le premier mi-temps fini, nous finis à 2-0. Et puis qu'après le chercher moyen pour voir comment on est capable de retourner dans le match là, est-ce que nous pensons avantage à que nous gagnons le définitif? On nous dégage avantage à le définitif parce que nous avons très motivation à faire. Parce que c'est un groupe qui est là dans le tour, nous dit que depuis nous allons jouer devant FICA, il faut nous mettre des motivations très haut là. Et nous sommes champions deux fois d'affilée. Nous toujours envie pour le troisième titre, nous toujours nous pensons le possible. Oui, nous avons dit que c'est possible parce que nous sommes pour nous descendre dans le championnat avant, nous devons arriver champion pour la première fois. Ce qu'on fait, c'est pas évident pour eux, mais c'est un gros challenge qui les attend pour la deuxième mi-temps. Gros challenge qui attend Eli également, l'arbitre de cette rencontre, et c'est parti. Ou encore c'est reparti. La deuxième période, mesdames et messieurs, qui est là. Et c'est Kerslin qui a le ballon avec cette passe pour Camille. En retrait pour Stenio. Longue passe de ce dernier. Intervention de la défense de FICA. Et faute sur le monsieur Eli. Donc faute que Mpatoué. Allez, avec cette déviation de Stanley Brossius. Intervention de Beldor. Et c'est Clervin qui est toujours gagné ballon, qui a fait un petit temps passé comme Matessa. Et Lila Gale finalement. Avec Stenio, le 2-32. Il y a Camille qui est venu chercher ce ballon. Il préférait jouer long. Déviation d'Almonor. Deuxième ballon pour Ronaldo Médard. Bon contrôle. Ah oui, oui. En tout cas, bien joué. C'était Ronaldo Jean-Marie, apparemment gros changement, Oudi. Il y a Ronaldo Jean-Marie, le dossard 18 côté. Ouais, 18 qui est entré, ouais. On va essayer de voir qui est-ce qui est sorti. Et c'est Joseph qui a le ballon. Ballon pour Ronaldo Médard qui arrive quand même à conserver ce ballon, que c'était bien joué. Edmond. Semblerait que ce soit Joseph qui est sorti. Le numéro 19. Non, Joseph est là, Joseph est là, Jean est là. Joseph est là. Il semblerait que le changement alors ce soit Doubi Chéri qui jouait sur le côté droit, le numéro 22, et remplacé poste pour poste par le numéro 18. Et Fika qui a le ballon avec cette passe en profondeur, ballon récupéré par l'ASC avec Camille, l'arbitre qui sifflait en faute là apparemment.
Allez, le jeu va reprendre avec le FICA. Ballon dans les pieds de Jean-Marie qui vient tout juste d'entrer en cours de jeu. Il demande le 1-2, il l'obtient. Jean-Marie, l'accélération. Mais bon retour là de Rodelin. Quel match de Rodelin. Voilà. Et attention, perte de balle, centre instantané, dans les bras et faute de main, mais finalement en deux temps. Clairvin se saisit du ballon. C'est sa première intervention plus ou moins sérieuse dans le match. Avec Clairvin qui dégage la tête pour l'ASC. Beldor est là, il essaye d'avoir le ballon. Mais c'est le FICA qui récupère le ballon avec cette fois-ci Joseph qui est bel et bien présent. Beldor. Villegrain. Et il obtient la touche. Villegrain, belle combativité du 14. Touche qui va être effectuée par Louis. Le voilà, Louis. Allez, Camille. Camille qui va essayer de s'appuyer peut-être. Voilà, il s'appuie directement sur Clairvin, le gardien. Attention, là, ça fait deux fois qu'il touche le ballon. C'est peut-être un signe annonciateur. Il n'a pas touché beaucoup de ballons en premier mi-temps. Noël, avec un contrôle un petit peu chanceux. Noël qui revient une deuxième fois avec le ballon. Peut-être il va lancer en profondeur. Beldor sur le côté droit. Il prend son temps pour contrôler le ballon. Il essaie de dribbler son vis-à-vis. C'est pas facile. Il perd le ballon à 2 contre 1. Et finalement, c'est Vertus avec le ballon qui s'en sort. Mais mauvaise passe de Vertus. Camille pour Alexis. Rodelin. Allez, touche. On va devant avec Franz Moïse sur le côté gauche. Franz Moïse qui cherche une solution. Centre du pied gauche au deuxième poteau. Il y a Beldor. Mais c'est trop long. C'est trop long pour Beldor. Et Dekosa va pouvoir dégager son camp. Le FICA qui a le ballon, qui montre de bonnes intentions. Stanley Bossius qui arrive à prendre le meilleur là sur Stenio. Et il y a faute. Oui, il y a faute. Et ça, c'est en faute carton que lié. Arbitre l'a supposé commencer à prendre responsabilité dans ça. Non, sans faute carton. Il n'y a pas moyen de l'appeler. C'est normal, c'est normal. Jouer un gain raison 300 fois sur 100 fois. Genre de faute ça, surtout ces possibilités pour le contre-attaquer, qu'on faute sur lui. T'es touché, défenseur a touché, c'est carton jaune. Donc le fait que le joue carton jaune, ou pas pour Abdil, c'est vous-même qui vous faites travailler, etc. Ouais, attention quand même. C'est vous-même qui vous d'abord qu'on règle jouer là pour continuer à respecter. Ben oui, attention quand même, monsieur l'arbitre, de ne pas la jouer trop relax là. C'est faute carton, c'est pas. Parce que au arbitre central, c'est pas content de siffler faute seulement. Parce que tant qu'on siffle faute seulement, toujours une faute. Faut qu'on sévit. Faut qu'on prenne action quand tu joues. Dans la surface de réparation. Bossius, il est. Et là, il est pénal. Par derrière. Oh. Bah, il n'a pas protesté là pour le coup, Bossius. Il n'a pas protesté là. D'armée, oui, action. Hein. Voilà, le well, well, well. Il semblait qu'il y ait un contact vraiment rusé. J'ai l'impression qu'il lui a marché sur la pointe du pied gauche. Regarde, maintenant, très légèrement. Très, très légèrement. Et là, on voit qu'il était à terre. Nous souhaitons vraiment que ce n'est pas trop grave. Ah, aïe, aïe, aïe. Après un coup au niveau du thorax. Il a certainement eu la respiration coupée au moment du choc. Hein. Mm-hmm. C'est toujours impressionnant. Et ça revient vite, heureusement. Kerslin. Qui fait un match discret, Kerslin, qui n'aide pas vraiment beaucoup Bossius aujourd'hui. Et pour l'instant, FICA Cap joue à 10 contre 11. Ouais. Avec Stenio. Stenio à nouveau. Il va s'appuyer sur son capitaine, Camille. Il a les deux pieds, Camille. Pied droit, pied gauche pour les passes. Ça va toujours plus vite. Alexis. Rodelin.
s'est joué devant avec Franz Moïse là qui est revenu jusqu'au milieu de terrain pour aider, mais récupération du Fika. Maintenant c'est Kerslin, il s'est vite remis, c'est bon. Vertus pour Kerslin, il rate son contrôle et puis finalement c'est Stenio qui peut écarter le danger. Louis est là et dégagement raté de Louis. Ouais, bien joué Louis. Touche pour les Verts et Jaunes avec Vertus. Et Vertus pour Joseph Jean avec la défense maintenant Eugène. C'était Médard. Et la gaffe faute, oui. La gaffe faute, l'éclair. Faute sur Jean-Marie. Petite bousculade. Faute de Moïse. Franz Moïse qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts aujourd'hui. Tant sur le plan défensif qu'offensif. Mais l'ASC, en dehors de ses deux buts, n'a pas été vraiment plus dangereux que ça. Ouais, le ballon est au niveau de la défense avec Vertus maintenant. Vertus devant. Ouais, bien joué. Il a caressé le ballon là. C'était une passe pour Kerslin. Et maintenant, l'ASC qui récupère le ballon. Mais non, mais c'est le Fika toujours. Le ballon est dans les pieds. Ouais, tentative du gauche. Et là, il y a le capitaine de l'ASC qui s'en sort. Ouais, passe là vraiment pour surprendre l'adversaire. Et tacle. Oh, je crois que c'est directement sur la cheville de Franz Moïse. Ça va être carton. Edmond, carton jaune. Ouais, le tacle était directement sur la cheville. Carton jaune pour Edmond. Edmond qui avait fait une bonne première mi-temps est là. Et voilà Edmond. On va revoir ce qui s'est passé. Allez, il s'est fait sévèrement chiffonner. Mais est-ce que c'est directement sur la cheville? En tout cas, il y a bel et bien faute, ça c'est clair. On va voir un petit peu le point d'impact. Et c'est bon, il va se relever. Plus de peur que de mal. Allez, le ballon, ce sera pour Noël. Allez, Noël pour le numéro 3, Alexis. Alexis devant. Almonor, centre du pied gauche. Oh, belle tentative là de Villegrin. Ça passe loin, mais c'était un beau geste quand même. Complètement libéré. Ballon dans le pied de Vertus. Vertus, c'est pour maintenant. Moussius. On circule le ballon là du côté des Verts. Ouais, Moussius, le voilà justement. Moussius qui a le ballon. Décale là-bas sur le côté droit. Bien joué. On revient sur Jean-Marie, le nouvel entrant. Jean-Marie devant directement. C'était pour Kerslin, mais il perd beaucoup de ballons, Kerslin, aujourd'hui. Franz Moïse, dégagement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours défensifs de l'attaquant de l'ASC. Allez, ballon pour Vertus, mais non, et obstruction. Bien qu'on a l'impression quand même que Beldor se dirige assez volontairement vers Vertus, mais
Monsieur l'arbitre a retenu surtout l'obstruction. Ah, c'est joué devant. Match qui perd du goût là, à un moment. Match qui perd du dans l'intensité, il perd du dans la qualité. Ouais, le FICA qui essaye, mais qui hésite à se découvrir trop. Mais au bout d'un moment, ils seront obligés de prendre des risques, hein, sinon ça va rester comme ça. Wow, ça c'était bon. Quelle parade de Décossa. Ah, il s'est détendu sur cette superbe frappe du gauche de Villegrain. On va la revoir. Et c'était Moïse, hein, Franz Moïse du pied gauche. Et voilà la détente de Décossa. Après un bon travail sur le côté de Rodelin. Ça fait 3-0 et le match est plié. 59e minute de jeu, 3-0 pour l'ASC. Encore sur corner. Le match est plié, Rudy, ça on peut le dire. Ouais, ouais, ça tourne même à la démonstration là, vraiment. Camille qui surgit, qui a surpris tout le monde. Même il y a eu un petit moment de flottement dans les tribunes. Et le capitaine, en bon capitaine, qui vient tuer tous les espoirs du FICA sur corner à nouveau. Corner obtenu après une brillante frappe là de Franz Moïse. On va le revoir le corner et voilà. Et Dupied, la Virtus, faute de marquage, hein, c'est sa deuxième faute de marquage. Parce que sur le premier corner, Grégory sur le premier corner, Virtus s'est laissé devancer par Almonor. Et là, sur ce deuxième corner victorieux, Virtus est laissé devancer par Camille cette fois-ci. Et du coup, il y a un changement, Rudy. Il y a Kersley qui sort. Villegrain qui sort. C'est Ulrich Sorel qui le remplace. Ulrich Sorel. Un but qui a réveillé les fans de l'ASC qui chantent et qui chantent dans les tribunes du Parc Saint-Victor. Et là, le FICA qui est en bien mauvaise posture. On essaye quand même de faire circuler le ballon. À présent, ouais, bon changement de direction. Maintenant avec Kersley. Kersley qui rentre dans l'axe du terrain et intervention de Camille. Faute. Ça se discute. Pas confondre impact physique avec charge. Et coup franc qui va être effectué par Jean-Marie. Jean-Marie qui cherche une solution, c'est tiré directement. Oh, double faute de main là du gardien. Et sur la deuxième, apparemment, il y avait une faute. Et heureusement quand même pour l'ASC qu'ils n'ont pas subi plus de tirs, hein, parce qu'on ne sent pas Clairvin vraiment serein. La majorité de ses prises de balles ont été en deux temps. C'est une information pour l'adversaire, forcément, qui devrait les inviter à tirer beaucoup plus. Donc là, monsieur l'arbitre a fait une faute contre Stanley Bossius. Voilà, 3-0. Almonor Bernardin, Franz Moïse et Camille, le capitaine,
à la 60e minute de jeu. On a le droit aujourd'hui à un ASC, on ne peut plus réaliste. Allez, le ballon est en jeu avec la défense de l'ASC, Camille. Le capitaine Camille devant pour le nouvel entrant. C'était Sorel. Allez, long ballon devant à destination peut-être de Noël, mais ça va être un peu trop fort. Et touche en faveur du FICA. Jean qui va laisser Edmond jouer cette touche. Edmond qui est beaucoup moins en vue en deuxième mi-temps, surtout depuis qu'il a écopé d'un carton jaune. Il avait fait pourtant une très très bonne première mi-temps, mais il s'est éteint. Un petit peu comme le reste de son équipe. Avec Camille. Camille, on est devant l'euro central. Ballon de Camille pour Sorel devant et bonne intervention de la tête de Vertus. Attention, on est dans la surface de réparation. Mal joué. Il aurait pu jouer vers son coéquipier là. Il y avait une autre solution plus intéressante, effectivement. Allez, ouais, belle déviation en aile de pigeon. Maintenant, on est sur le côté gauche. Oh, et Louis, le ballon qui passe entre ses jambes. Stenio, c'était centre pour personne. Stenio là qui vient se rattraper, qui donne le ballon à Camille. Dégagement, mais ça revient dans les pieds du FICA. Pas pour longtemps. Qui fait un bon match. Hein. Ouais. Oui. Super Louis. Hey, c'est l'action du match. Ah, Louis a glissé, c'est dommage. Quelle roulette! Non, mais quelle roulette! Allez, Vertus. Vertus pour Bossius. Le ballon est dans les pieds. Du FICA toujours et faute de Louis. Il y a changement. Allez, qui va sortir? Le 24 qui va sortir. Numéro 24. C'est Joseph Hansi qui peut le monter là. Donc c'est Hansi Joseph qui est entré le 9. Un choix résolument offensif, hein, puisque le 24 lui jouait comme ailier. Là, on entre un attaquant. Allez, ballon dans les pieds du capitaine Camille, numéro 5, pour le côté, mais finalement bien intercepté par la défense du FICA avec Joseph. Ouais, bien joué là, il décale sur le côté droit. Edmond qui aime provoquer, qui aime monter. Le FICA qui essaye toujours de chercher son attaquant. Ouais, bien joué. Premier tir. Oui, voilà, coaching gagnant. Coaching gagnant d'Ancy. But d'Ancy Joseph. Quelle belle façon de réduire le score, Rudy. Ouais. Superbe frappe. Quelle est le gardien vraiment sans tout voix. Ce qu'il faut. Bien lobé. Pas trop forte. Voilà, on va le voir. Hop. Voilà. C'est déposé. Le gardien est resté sur place. Il ne pouvait rien faire. C'était bon ça. C'est vraiment très très bien placé. 3 buts à 1. Greg, on est gâté. Avec 4 goals. Oui, 4 goals, ça n'arrive pas souvent hein, sur ce terrain. Ouais. Là, c'est tout ce qu'on voulait. Les buts. Et là, le FICA qui prend une bouffée d'oxygène. Allez, on va essayer de mettre la pression là, forcément, pour le 3-2. Faute. Et attention à cette réduction du score. Ça peut apporter cette confiance qui manquait du côté de FICA. Exactement. Kerslin la lutte avec Sorel. Kerslin qui se retourne, il s'appuie finalement sur son partenaire avec Manon Joseph qui a le ballon dans ses pieds. Jean-Marie. Allez, Jean-Marie, belle passe de Jean-Marie vers l'avant et
Ancy Joseph n'a pas pu, là, cette fois-ci, passer devant Stenio. Un dégagement directement pour une tête du FICA. Rodelin qui monte beaucoup moins en deuxième mi-temps. C'était pour Joseph, mais mauvaise passe. Le voilà, le petit Joseph, le petit Noël plutôt, virevoltant sur le terrain. Allez, balancé pour Ancy Joseph. Et touche. Et ballon devant maintenant avec Joseph. Joseph qui essaye de s'appuyer. Attention, Noël à présent. Noël qui en dribble 1, qui en dribble 2, qui réussit à passer quand même devant pour Beldor. Beldor dans la surface de réparation. Belle passe de Beldor. Oh, super. Allez, tirez. Oh, ah, c'était parfait. Il a réussi le plus difficile pourtant. Ah, Franz Moïse, il peut s'en vouloir. Oh, il se tient à l'arrière de la cuisse. Ouais, c'est une crampe. Ouais, sauf que pour l'arrière de la cuisse, c'est pas ce mouvement-là pour retirer la crampe. Ça, c'est pour le quadriceps. Le ballon est avec Sosa. Ouais, avec Noël. Le bon travail de Noël. Ouh. Superbe passe là et il a réussi le plus difficile vraiment. Il n'a pas cadré. Il n'y avait qu'à cadrer. Hein. Le gardien était déjà en panique. Quel geste. Et là, la belle passe vraiment de Beldor. Super passe. On a même du mal à comprendre comment il a réussi à faire cette passe. Allez, Joseph, à présent. On revient au direct. Allez, le ballon qui est dans la défense du FICA. Le FICA qui vient de se faire peur une fois de plus. Et ça circule toujours, le FICA à l'attaque avec Ancy Joseph. Jean, allez Jean, belle déviation là pour Joseph à nouveau. Et il ne va pas pouvoir avoir le ballon et dégagement de l'ASC, mais c'est renvoyé directement par le FICA. Sorel, mais on a un joueur de l'ASC là au sol et va pas pouvoir continuer. Changement. Un changement, il faut réagir vite sur le banc de l'ASC. Franz Moïse. Alors espérons que ce soit juste une crampe. Hein. Ça paraît difficile à dire là, mais si c'est un claquage, c'est beaucoup moins amusant. Ouais. Ne se fait que pas un claquage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est terminé pour le deuxième buteur du match, Franz Moïse. Il y a quoi qu'il arrive, beaucoup de fatigue musculaire hein, pour ce joueur. Forcément, il a multiplié les courses. Alors qu'on revoit la dernière action, belle passe là, et puis superbe femme. Feinte de frappe et puis c'est ensuite que la douleur a commencé à apparaître. C'est peut-être sur la feinte et le changement de direction que Franz Moïse s'est fait mal. Allez, le ballon est dans les pieds du FICA avec Eugène. Eugène passe un petit peu molle mais ça arrive quand même à destination. Pressing de Louis. C'était un bon pressing de Louis, Souli. Effectivement. Médard, ouais, ballon intercepté, l'idée était bonne hein, de Médard, mais le FICA là qui se montre plutôt intéressant
dans la récupération du ballon, dans l'analyse des trajectoires de passe. Et voilà, le changement est effectué. Il y a Franz Moïse qui est sorti de l'autre côté du terrain. Et c'est Pierre Gilles, Judelin Pierre Gilles qui est entré. Allez, Jean avec Eugène. Eugène, oh, c'est encore une passe molle. Oh là là. Et il y a faute. Faute carton, ça est. Il y a faute sur Louis. Mais cette faute est d'abord la responsabilité d'Eugène. Eugène, le défenseur central gauche du FICA, le 13, qui fait beaucoup de passes molles, qui vient donc mettre ses partenaires en difficulté. Il faut passer le ballon avec une certaine force dans certaines situations. On espère qu'il va se relever quand même, Louis, parce que sinon ça pourrait être une victoire qui coûte cher pour l'ASC. Ils viennent déjà de perdre Franz Moïse. Et Louis apparemment se relève. Ça devrait aller. Allez, le ballon est dans les pieds de Camille. Camille pour Rodelin. Rodelin élève la tête. Rodelin dépasse la ligne médiane. Passe de Rodelin pour Almonor. Il n'avait pas touché de ballon depuis longtemps. C'était pas Almonor, c'était Beldor. Et contre-attaque du FICA avec Ancy Joseph. On est dans le rond central exactement. Décalage sur le côté gauche avec Jean-Marie. Jean-Marie. Bon ballon de Jean-Marie, mais non, c'est intercepté là. Par Beldor. Ah, il n'a pas été franchement là pour récupérer le ballon. Très mauvaise passe. Ouais. Oh, le bon contrôle de Jean. Allez, accélération. Accélération du défenseur. Passe en profondeur. Pour le nouvel entrant, et tacle là, Eugène, vraiment utile. Oui, parce qu'il était ma contifance, tout petit. Et c'est pas terminé, il y aura peut-être un centre maintenant. Louis a le ballon, Louis il aime provoquer, voilà Louis. Mais il passera pas cette fois-ci. Il y a de la fatigue également dans son geste. Il récupère quand même le ballon, Louis. Avec Pierre Gilles. Allez Louis, maintenant il faut centrer. Voilà le centre de Louis au deuxième poteau. Et le FICA qui s'en sort bien. Contre-attaque peut-être du FICA, mais non, ils ne veulent pas mettre le rythme pour le moment. Voilà, avec Jean-Marie à présent sur le côté gauche. Et bonne intervention là, pleine d'autorité de Camille. Le voilà à nouveau Camille. Ouais, Camille qui fait des interventions parfois qui font peur. Oui, musclé. Hein. Ouais, tu as l'impression qu'il y a un train qui arrive sur toi et... Il n'y a pas forcément de mauvais gestes dans ces interventions, mais il y a une telle puissance, force et vitesse. C'est impressionnant, alors qu'il y a un joueur de l'ASC également au sol. C'est Camille. Oh, c'est derrière le genou. En bas de la cuisse. Alors qu'on voit la roulette. Oh, superbe roulette. Superbe roulette. Ça, c'est pour mettre dans les highlights de la fin de saison. Cette roulette de Louis. Et voilà, capitaine est debout, mais est-ce que ça va tenir? On est dans la 78e minute, 3 buts à 1 en faveur de l'ASC. Et ouais, 4 goals ici au Parc Saint-Victor du Cap Haïtien. Avec un ASC on ne peut plus réaliste. Le ballon est dans les pieds de Pierre Gilles à la lutte. Et touche pour le FICA. Joseph,
Bonne passe de Joseph. Allez, le Fika qui essaye, mais le Fika qui perd le ballon un peu trop facilement là. C'est récupéré par Alexis. Et contre-attaque maintenant de l'AFC sur le côté gauche. Quelle déviation. Contre-attaque, ça c'est Almonor. Ouais, Almonor qui le passe, il est dans la surface de réparation, il se fait faucher fort. Et le pénalty. Oh oui. Pénalty oh, plus carton. C'est coup franc. Coup franc. J'ai l'impression que c'est coup franc, Greg. C'était dehors. Bon, gardien qui était plus près que nous, on va le suivre. Là, la superbe accélération d'Almonor. C'est pénalty. C'est pénalty. Habite là-bas avec Koufran, mais c'est pénalty. C'est vraiment pénalty. Koufran. Pour l'ASC. Là, on est nombreux dans le mur hein, du FICA. 6. Ça qui était en action dangereuse quand même. Oh là là, bonne détente de Décossa encore une fois. Il prend 3 goals Greg, mais il fait des arrêts qui sont vraiment intéressants. Ça tu peux le dire. Allez Décossa, on va le sus. Alors qu'on revoit le coup franc. Voilà, plutôt bien tiré avec la bonne détente du gardien. Et puis Beldor qui n'a pas pu avoir le deuxième ballon, n'a pas réagi assez vite. Toujours 3 buts à 1. Les ballons dans les pieds de l'ASC avec Noël. Noël, le virevoltant Noël. Ballon vers l'avant. On est dans les 10 dernières minutes de ce match. Noël est au sol. Voilà, Noël avait le ballon, hein, très virevoltant comme d'habitude. Oh, il est tombé un petit peu facilement. Pas forcément nécessaire, mais monsieur l'arbitre a quand même attribué la faute. Voilà, joué devant directement dans la surface de réparation, la tête, mais c'est renvoyé par la défense du FICA avec Jean-Marie maintenant. Bon contrôle intérieur, pied droit et bonne passe également. Il arrive à se retourner, mais là il a Noël sur le dos et c'est un sacré client. Presque un milieu récupérateur qui joue comme un meneur. Oh là là. Belle passe pour Louis et c'est dégagé. Non mais Noël, c'est du sérieux Noël. Ouais. Par Kesselin. Noël qui a des petites ressemblances avec N'Golo. Bon, toute proportion gardée quand même, mais qui fait penser dans certaines dans certains mouvements. Il est très combatif, vraiment. Ouais. Allez, Joseph passe devant de Joseph. Oh. Elle a essayé de faire le beau. C'était aussi Joseph, passe devant de Rodelin, bonne passe de Rodelin, c'est pour Almonor qui est sur le côté gauche, Almonor qui gagne son duel, il est dans la surface de réparation. Et là, il n'y a pas de pénalty, Almonor qui foudrage là-bas dans le carré. Et le ballon repart pour le FICA. Le FICA sur le côté droit. Les actions litigieuses aujourd'hui, c'est vrai, surtout en deuxième mi-temps. Vertus. Et Vertus avec son pied gauche devant. Ancien Joseph qui perd le ballon face à deux joueurs bleus. Sauf la touche là. Et on a l'impression que le FICA essaye de lutter, mais c'est pas tous en même temps. Touche qui va être effectuée par l'inusable Louis. Thank you.
revoit l'action sur Almonor. Oh oui, il a été clairement barré. Là, c'est pénalty, c'est incontestable. C'est incontestable. Il a été complètement barré par la jambe gauche du défenseur du FICA. Alors, on revient au direct avec la touche effectuée par Louis. Récupération du ballon. Le FICA qui a toujours ballon et mauvaise passe. La belle lecture de Louis, comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Mais il reste au sol. Le jeu continue quand même sur le côté gauche avec Almonor. Almonor qui préfère revenir. Et les joueurs de l'ASC qui temporisent pour pouvoir faire intervenir monsieur l'arbitre auprès de Louis. Beaucoup de fair play entre Stanley et Louis là. Ouh. C'était involontaire. Ouais, mais ça fait mal quand même. Bien sûr, bien sûr. Et carton jaune. Pour Louis. Pour Louis. Alors, il a eu vraiment mal parce qu'il s'est fait marcher sur la jambe. Mais ce que Louis ignore, c'est que c'était complètement involontaire. Et c'est le genre d'image que je n'aime pas dans le football. Quand les arbitres se laissent guider par leur ego et qu'ils sortent des cartons. Parce que je vois les quittent frustration de sortie, soit parce que le diabète là ou pas, ouais, etc. Parce que quand même, il y a des fautes là qui t'ont suscité des cartons que l'arbitre là fait comme s'il va, ouais. Il y a pénalty que il pas sifflé, personne ne va dire là. Hey. Et accélération là de Beldor, deuxième poteau centre, ah, il a raté sa reprise. Il a manqué l'immanquable. Oh, Pierre-Gilles. Ça aurait fait 4-1 pour l'ASC. Oh, Pierre-Gilles. Et le match aurait été plié plus que jamais. Oh, Pierre-Gilles. Allez, ballon envoyé devant, tête du capitaine. Le ballon est dans les pieds de Jean-Marie. Jean-Marie qui accélère. On dépasse le rond central maintenant. Intervention. Et voilà l'ASC qui récupère le ballon de manière assez tranquille. Attention, passe qui n'est pas forcément facile. Et Bossius qui est à la pression. Mais Bossius totalement sevré de ballon en cette fin de match. On est à gauche maintenant avec Rodelin. Rodelin. Perte de balle là de Sorel. Mais le ballon est toujours en faveur de l'ASC. Pierre-Gilles qui revient bien bas. Louis. Pierre-Gilles. Ça revient en défense. On fait circuler. On fait applaudir le public avec Alexis maintenant. Rodelin sur le côté gauche. Pierre-Gilles qui veut toucher du ballon. Hein. Il s'en veut, ça se voit. Il veut toucher du ballon. Voilà, on est à droite. Ça continue de circuler. Là, c'est la passe à 10 du côté de l'ASC. Noël perd le ballon, mais finalement, ça revient dans les pieds de Stenio, mais c'est l'ASC maintenant qui a le ballon. Passe au-dessus de la défense. Intervention de la tête de Louis. Louis à nouveau, ouais, beau contrôle vraiment. Dans la vitesse et passe en profondeur pour Beldor. Beldor qui devant se gêne. Allez Beldor, qu'est-ce qu'il va faire sur le côté droit maintenant? Est-ce qu'il va centrer? Est-ce qu'il va provoquer Eugène? Pour l'instant il cherche une solution, il provoque Eugène. Il va peut-être revenir sur Louis. Oui, passe pour Louis, voilà. En talonnage entre deux, Louis dans la surface de réparation. Avec Pierre-Gilles. Et finalement, c'est renvoyé par la défense du FICA. Le FICA qui va essayer d'amorcer un contre. Contrôle contre le cours du jeu. Mais ça revient maintenant avec Edmond. Edmond passe devant pour Stanley Bossius. Bonne couverture là. Bonne intervention d'Alexis. Match très sage du numéro 3, Alexis. Et le ballon qui est toujours dans la défense de l'ASC. Applaudi par son public. Voilà la sérénité des bleus et rouges aujourd'hui. Et il se dirige tranquillement vers une victoire, bien qu'il reste du temps. Mais quand même, ça se dessine de plus en plus. Avec Camille sur le côté gauche. Accélération de Rodelin qui veut monter. Lui maintenant aussi, il veut s'amuser un petit peu. Participer à la fête. Sorel, attention à ne pas en faire trop quand même là, Sorel. Sorel qui se rattrape bien. Et est-ce qu'il y a faute? Non, monsieur l'arbitre qui donne un avantage maintenant. L'arbitre est dépassé là. Ouais, complètement. Complètement, Greg. Accélération, mais perte de balle. Et Louis là. Bien joué avec Pierre-Gilles. Ça circule avec toujours autant de maîtrise de la part de l'ASC. On s'appuie cette fois-ci sur Stenio. Stenio. Attention à ne pas mettre en difficulté Sorel. Et voilà,
C'est une passe pour Alexis. Alexis pour Rodelin. On circule encore une fois le ballon pour le plus grand plaisir. Les fans de l'AC, déviation là, un petit peu superflu. On a envie de faire le beau geste avant la fin du match. Et récupération du FICA. Allez, le ballon est pour Eugène. Eugène pour Jean-Marie. Jean-Marie qui a essayé d'apporter un petit quelque chose en deuxième mi-temps avec son entrée, mais ce n'était pas suffisant. Et Louis qui devance encore une fois. Kerslin, c'est pas la première fois. Et le ballon est dans les pieds de Médard. Beaucoup plus discret en deuxième mi-temps également. Edmond. Edmond sur le côté droit, le centre directement pour Kerslin, mais c'est directement dans les bras du gardien. 89e minute de jeu. C'est pratiquement la fin de cette rencontre, ou encore pratiquement la victoire pour l'ASC qui mène par deux buts d'écart. 3-1, mesdames, messieurs. D'autant plus que l'ASC a fait ballon viré sous terrain. Hein. A roulé ballon. Et nous sommes dans la première période de l'Andézil. C'est surtout techniquement que l'ASC a calé l'équipe FICA. Et pour le dernier changement côté ASC. Et un nouveau changement est annoncé. Avec la sortie de Louis. Voilà. Bon match, monsieur. Très bon match, comme d'habitude. Il s'est défoncé, il a tout donné sur le terrain. Ça, si c'est bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est sa combativité. Louis. Très très bon latéral droit, Makenle Louis. On est rarement déçu lorsqu'on le voit jouer. On aime ce genre de joueur. Et c'est Reynaldo Gustave qui rentre pour 1 minute 30. Mais c'est un changement de principe pour conclure. Voilà, le ballon circule du côté de la défense là. Les carottes sont cuites pour le FICA. Avec Jean-Marie, on va peut-être essayer de se procurer une dernière occasion. Ça ne va pas être facile forcément. Joseph pour Jean-Marie, ouais, bon contrôle orienté. Bonne passe également sur le côté gauche maintenant. On va peut-être attendre un centre et intervention défensive. Corner. Certainement l'une des toutes dernières occasions de ce match. Avec Vertus, c'est joué court. Jean-Marie, tentative de Jean-Marie. Ça se dirigeait vers le poteau ou poteau extérieur. Mais quand même, Clervin a préféré intervenir. Efficace entre au deuxième poteau. C'est pas passé loin, mais il y a hors-jeu. San Lebosius, il a été étonnamment muselé aujourd'hui. C'est difficile de le tenir comme ça. C'est juste pour vous montrer à quel point la performance de Stenio et Alexis, et aussi Camille, hein, le triangle défensif de cette équipe, a été impressionnant aujourd'hui. Stanley Bossius n'a pas existé à part sa première phrase en première mi-temps. Allez, Alexis de la tête pour son portier. Voilà. 2 minutes 23. Et ça sent la fin. Allez, Pierre-Gilles peut-être pour une dernière occasion. Pierre-Gilles sur le côté droit, il veut se rattraper tout à l'heure de son manqué. Centre et dégagé par Reynaldo. C'était Médard plutôt. Reynaldo, c'est l'autre numéro 4. Il y a le numéro 4, hein. Ronaldo Médard, mais il y a le numéro 4, Reynaldo, dans l'autre équipe. Reynaldo Gustave. Je suis sûr que ça, c'est dernier action match. Voilà, avec là qui m'était fait un match.
Victoire de l'ASC sur le score de 3 buts à 1. Avec 3 goals de Bernadette, Moïse et puis Camille. 11e minute, 12e minute et puis 60e minute. Joseph Tabralguin pour le réduire score là à la 67e minute. Jean-Noël, non? C'était un match assez intéressant. Même si deuxième période là, c'est Jean-Pierre Dune a efficacité, dans l'intensité. Même si deuxième période là, marqué par une série de passes intéressantes de. Et en série de passes, surtout en série de passes de l'ASC pour montrer domination technique. Et chaque fois, Nvidna, c'est toujours ça, c'est Sam Toujouet où il dit c'est ASC qui paraît injouable, surtout le lap recevoir dans le Praxa, surtout le lap jouer avec Fika, il paraît transcendé. Voilà, belle image avec les joueurs de l'ASC et du Fika. Voilà, c'est ça le sport. Hein. C'est un derby, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de football sans fair play. Ça, c'est bon. Voilà, stade là qui est content. Les fanatiques ASCO qui va gagner côté pour mettre Koyo. Nous, qui, même avec Mario et Barcelone, sur eux, en pile. Bon, côté nous, qui t'a dit à un certain moment que c'était Barcelone contre Getafe pour eux. Il y a un peu le plaisir dans le stade, vous dites. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir à voir. Que les autres prennent exemple.